chaque artiste a 1000 sacs chacun. Donc, on a 5000 sacs qui seront revendus dans toute l'Alsace, et cela au profit d'une bonne action pour des CAT, autant dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin. Et naturellement, ça participe aussi pour l'environnement un peu dans ce monde qui en a bien besoin, quoi. Les plus grands, c'était Andy Warhol qui a fait les soupes, les Campbell soupes, déjà à l'époque. Et ces Campbell soupes, ces sacs en papier étaient vendus à l'époque 5 $. Nous, on est maintenant à 5 €. Donc, 5 $ à l'époque. Et ces sacs sont vendus aujourd'hui, ceux qui ont un sac signé Warhol, sont vendus jusqu'à 3 000, 4 000 $, suivant conservation. Donc, vous avez peut-être la chance, avec ces artistes qui ont signé, dans quelques années, d'en trouver un. J'ai dit, moi, j'ai un sac. Et c'est pour ça qu'on les a encadrés comme ça. Vous voyez, sur ce stand, on a 5 artistes. Hein. Raymond Weidlich ne se présente plus. C'est Dieu le père des artistes alsaciens. Il y a Sylvie Lander. Il y a Christian Geiger, mais il y a aussi Christophe Meyer et Daniel Depouteau. Ces deux derniers sont, depuis une dizaine d'années maintenant, hébergés dans des locaux chez nous. Ben, ça aussi, ça fait partie du comportement citoyen d'une entreprise. Donner des coups de main au quotidien. Il s'agit d'une machine à Schmerwurst. Schmerwurst, je ne suis pas alsacien d'origine, je vous prie de m'excuser. Qui est destinée à rationaliser le mieux possible ce concept, enfin ce contenant aussi de Schmerwurst intérieur-extérieur, contenant-contenu. Et à presser le plus efficacement possible, enfin et en fonction de son désir et de son économie. La Schmerwurst qui va tomber sur du pain et qui sera ensuite tartinée selon les volontés de chacun. Ce qui me plaît dans le skate, c'est que c'est vraiment de l'aurora du bitume, ça c'est bien. J'aime bien attraper la littéralité des choses. Là, pour un sac de course, j'ai fait un espèce d'hybride qui peut être cheval de course, par exemple. Ça me plaît bien. Les skates, c'est le côté bois usé que j'ai retravaillé pour en faire quelque chose d'un peu glorieux. L'art dans la rue, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut plaire au monde de l'art, mais il faut plaire aussi à tout un public, au public de la rue. Hein. C'est eux qui parlent de vous, pas seulement les grands galeristes.